Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, cette soirée du dimanche 4 août 2024. Et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Dans les actualités de ce jour, 12 candidats poursuivront la compétition dans le cadre du concours de chant La Voix d'Or, organisé par Viva Madagascar. Dans la troisième prime d'hier soir, ils étaient 16 à passer devant le jury et 4 ont dû donc quitter l'aventure. L'émission La Voix d'Or, initiée par Viva, permet de découvrir les jeunes talents et de les aider à faire carrière dans la musique. Reportage avec Cécilvain. La voix d'or, la voix d'or, la voix d'or. Des chansons malgaches et thèmes variés ont été interprétés par les candidats de la Voix d'Or qui sont montés sur scène hier soir à l'Arena Ivanj dans le cadre du quart de finale. Les participants ont fait de leur mieux pour captiver le jury. Si mi fuera fuera, si quizá no vea, y se han volanas, se ni tiene anule. Ils étaient 16 à affronter le jury hier soir et ce quart de finale a été particulier du fait que les candidats ont tous obtenu la moyenne. Miar a obtenu la meilleure note, suivie de Kezia, Riansu, Fenwanch et Tenj. Ces derniers qui sont qualifiés top 5 pour la demi-finale. Quatre candidats ont dû toutefois quitter l'aventure après la décision du jury. Demi-finale, Amsabous. Pitiavana! Teakamafbe, Akaereza Tikazi, Efa Chambraval, Isatimans Nandao, Nififa Nanana, Amakila Lawas, Samitina Makila Lawas, Fatuez, Arokur Nuit, Smaia, Arakanevanaza Fine Shuri Tawe. Ni aucha fanku team tena nkonti be ao anatin FIFA nanana toy izao ary matotonga ti amin'ny quart de finale dia efa tena zava-dehibe zany a eny ary sandretra rehetra izany dia la voix d'or avokoa na fihetsepo na fahaizana mihira na fahaizana miantsehatra ihany koa izay ny maha la voix d'or azy
irewakizi efa chambra vavi za itsumansi andaoni fifa nanana dia misi achani reumar pagasichana ana maria nanfandaluva tato natin la voix d'or anisa azani tsubofer avi amni paulai cartable si fourniture scolaire avi amni shop à venir au yanku ni sac de sport izai aitana goodies maro be ao anatiny avy amin'ny Canal Plus na dia misy ny goûté avy amin'ny Nutrizaz izay aitana popajaina sy kobaaina ihany koa ary ny t-shirt avy amin'ny Viva ny t-shirt La Voix d'Or ny t-shirt Viva. Les 12 candidats restants affronteront la demi-finale samedi prochain. Le quotidien de ces candidats au campus musical est diffusé sur la chaîne Viva. La Voix d'Or. La Voix d'Or. La Voix d'Or. Dans un autre sujet, afin de rendre la circulation plus fluide à Nousizat, l'application d'une double voie à sens unique sur l'axe Ampitatafk à Nousizat est nécessaire d'après la gendarmerie nationale. Les responsables du Foukountain à Nousizat l'ont également confirmé aujourd'hui. Ils appellent donc les usagers à respecter les dispositions mises en place. Les détails avec Saint-Sylvain, Anel Martina, Enzar, Hadjiansou. La double voie à sens unique partant du pont d'Anoussizat à Pitatafk a été appliquée pour la première fois en 2014. À cette époque, il a été déjà constaté que cette voie était étroite comparée au nombre des usagers. Et 10 ans plus tard, la population de la partie sud du district d'Antananarivo Atsimjam continue de croître. Ainsi, il est donc nécessaire d'appliquer à nouveau la double voie à sens unique, a déclaré le Foukountain d'Anoussizat. La gendarmerie a déjà essayé de ne pas appliquer la double voie à sens unique à Nousizat la semaine dernière, mais les embouteillages étaient tels que les voitures n'ont pas bougé pendant plus de 2 heures. La gendarmerie nationale a continué à surveiller de près la situation pendant plusieurs jours et a confirmé que la double voie à sens unique est une solution pour alléger les embouteillages. Depuis le 31 juillet, il a été décidé que la double voie à sens unique à Nousizat durera 20 à 30 minutes. Le matin, pour l'entrée des voitures vers la capitale, ce sera à 5h50, à 6h30 et à 7h du matin. Et pour la sortie vers la RN1 l'après-midi, de 15h45 à 16h30 et à 17h et reprise du double sens dès que la circulation se fluidifie. Et la région d'Anosy a reçu un financement de plus de 479 millions d'ariars émanant de l'OIF, un financement destiné à soutenir les femmes dans leur autonomisation, selon les informations définies dans le projet ATEM Amatem. Environ 140 femmes et filles bénéficieront de ce projet qui a déjà démarré. Reportage est signé Andréa Martina. Ce financement d'un montant de 479 millions 100 000 ariars émanant de l'OIF ou Organisation internationale de la francophonie est destiné à l'octroi de formation et d'accompagnement aux femmes afin de les rendre plus autonomes. Trois Foukountain à Tolanaor, région d'Anosy, à savoir Amnanbe, Ambinankel et Amputaj, bénéficieront de ce financement à travers le projet Amatem. Les femmes jouent un rôle important dans le développement du pays. Il faut donc les mettre en valeur, a déclaré le gouverneur de la région Anosy. Le projet répond pleinement à la politique générale de l'État, a-t-elle poursuivi, notamment la mise en valeur du capital humain et du volet social. La région Anosy soutient pleinement ce projet, a confirmé le gouverneur de cette région lors du lancement officiel du projet. L'intégration dans le monde professionnel est importante. En effet, de nombreux jeunes, notamment ceux qui viennent d'obtenir leur baccalauréat, ne savent même pas quoi faire après avoir obtenu leur diplôme selon un centre de formation dans la capitale. De ce fait, il est important de guider la jeunesse malgache vers des parcours académiques et professionnels prometteurs, favorisant ainsi le développement des compétences et l'insertion professionnel. Anona Martina, Enzar, Njiatsu. Un élève doit savoir dès la classe de 3e le parcours qu'il souhaite suivre. À Madagascar particulièrement, beaucoup d'étudiants se posent des questions sur ce qu'ils vont faire après avoir décroché le baccalauréat. Certains ont déjà une idée de la filière à suivre, mais n'ont pas de précision sur comment y accéder.
Selon les statistiques, 500 000 jeunes cherchent du travail chaque année à Madagascar. Ainsi, ils ont besoin d'aide pour faciliter leur insertion dans le domaine professionnel selon un centre de formation dans la capitale. C'est la raison de l'organisation du Carrefour de la formation des métiers et de l'emploi du 6 au 11 août. Un événement qui vise notamment à guider les jeunes Malagas vers des parcours académiques et professionnels prometteurs, favorisant ainsi le développement des compétences et l'insertion professionnelle. Outre les offres d'emploi et de formation, un concours d'innovation est également organisé parallèlement à cet événement pour encourager les jeunes à transformer leurs idées en solutions concrètes face aux défis sociaux. Passons dans un tout autre contexte, un système de tri de déchets est mis en place à Mbéfilou dans le premier arrondissement. Cela permet le recyclage des déchets et s'inscrit également dans la stratégie de gestion des déchets Antananarivo, a expliqué le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fidnia Vravukic. Ce projet s'inscrit également dans le cadre du projet GESTA, dans lequel le gouvernement malgache travaillera avec le gouvernement japonais. Anna Martina, Enzar Hadjiansou. Environ 800 à 1600 tonnes de déchets sont produits à Antananarivo par jour. Cela atteint 630 000 m3 par an, a indiqué le directeur général de la SMA. Ce dernier a affirmé que la gestion des déchets nécessite une stratégie particulière dont le triage constitue une étape incontournable. C'est la raison d'être du projet GESTA au sein duquel le gouvernement malgache collabore avec le gouvernement japonais. Ainsi, pour démarrer le projet d'amélioration du système de gestion des déchets solides Antananarivo, la commune urbaine d'Antananarivo lance un projet pilote dans le Fukuntan d'Apefilou. Ce projet consiste notamment à introduire le tri des déchets à la source, impliquant chaque ménage et établissement commercial. Dans le cadre de ce projet, un ensemble d'innovations précises qui permettrait aussi d'éliminer les décharges sauvages est prévu selon le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Ce projet pilote durera 3 mois et devrait ensuite être étendu dans toute la capitale. 3 régions abriteront cette année le ZKB de l'Association des femmes militaires et des épouses de militaires au FIVAMI. Le ZKB aura lieu à Fianarantsoa les 8, 9, 10 et 11 août 2024, un Tirabé du 12 au 14 août, puis à Madang les 26, 27 et 28 août. Plusieurs activités et manifestations sont prévues dans le cadre du ZKB, dont des campagnes de soins gratuits, des marches collectives, des manifestations culturelles et sportives, des conférences et des expositions sur l'association FIVAMI qui regroupe actuellement 9000 membres sur l'ensemble de l'île et est active dans le développement de la communauté et dans le soutien de leurs conjoints militaires. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination États-Unis, débat sur le débat, alors que le candidat du Parti républicain Donald Trump dit avoir convenu avec Fox News de débattre avec Kamala Harris le 4 septembre, la candidate est démocrate. Kamala Harris accuse le milliardaire d'avoir peur en ne se tenant pas au début prévu initialement avec Joe Biden le 10 septembre. Reportage sur les images de France 24. Viendra ou ne viendra pas ? La question d'un débat télévisé entre la candidate démocrate et son rival républicain en septembre prochain a donné lieu à une nouvelle passe d'armes par réseau social interposé. Côté démocrate, l'équipe de campagne accuse le candidat républicain d'avoir peur d'un duel avec Kamala Harris et juge que Donald Trump doit s'en tenir à ce qui était initialement prévu, un duel sur la chaîne ABC le 10 septembre. Seul changement, désormais assurée d'être la candidate démocrate, Kamala Harris prendra le siège de Joe Biden. Sur le réseau X, elle a indiqué qu'elle serait là comme convenu le 10 septembre, comme Donald Trump l'a accepté, espérant l'y voir. De son côté, l'ancien président républicain a fait savoir qu'il attendait sa rivale sur une autre chaîne, en l'occurrence Fox News, chaîne partisane favorite des républicains, à une autre date, le 4 septembre, en public et dans l'état pivot de Pennsylvanie, tout en l'accusant d'être incapable de l'affronter dans un vrai débat. Un argument repris par les partisans du candidat républicain. Il débattra avec elle à tout moment et n'importe où. Et je trouve ça hilarant qu'elle le mette au défi. Elle n'est pas du tout à la hauteur. Ces duels à la télévision sont une tradition des campagnes présidentielles aux États-Unis et peuvent faire pencher la balance dans certains swing states. Le dernier en date, le 27 juin dernier à Atlanta, entre Donald Trump et Joe Biden, avait été jugé désastreux.
il avait conduit au retrait du candidat démocrate de la course à la Maison-Blanche. Ensuite, des frappes israéliennes dimanche 4 août ont tué 12 personnes à Gaza, dont 4 qui s'abritaient dans un camp pour personnes déplacées à l'intérieur d'un complexe hospitalier. En Israël, une attaque à l'arme blanche menée par un Palestinien a provoqué la mort de 2 personnes dans la banlieue de Tel Aviv. France 4. Meurtrière, vous l'évoquiez, cette nuit, cette frappe qui a touché l'enceinte de l'hôpital Al-Aqsa, 4 morts. Et puis hier, c'était au moins 17 Palestiniens qui ont été tués dans 2 frappes différentes sur l'école d'Amama à Gaza City, dans le nord de l'enclave. Donc, les Palestiniens disent que ces frappes qui visent des écoles, elles se sont largement multipliées depuis le début du mois de juillet, tandis que l'armée israélienne indique, elle, viser systématiquement des infrastructures du Hamas. Toujours le même argument. L'armée israélienne dit que le mouvement islamiste utilise des infrastructures civiles et utilise la population palestinienne comme bouclier humain et cela ne saurait pas empêcher l'armée israélienne de viser le Hamas, dit-elle. Le Hamas, de son côté, a toujours des capacités de frappe sur Israël puisqu'il y a une demi-heure environ, 5 roquettes ont été tirées vers le secteur de Ashdod, Ashkelon. L'une d'entre elles n'a pas été interceptée par le système israélien du Dôme de Fer. Il n'y a néanmoins pas de victimes. Vendredi, c'était 18 roquettes tirées par le Hamas sur Israël. Alors que les négociations semblent au point mort après l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, eh bien la guerre à Gaza continue d'être un bourbier extrêmement meurtrier pour les civils et dont à l'heure actuelle personne ne discerne d'issue. Oui, ce qu'on sait, c'est que l'assaillant est un Palestinien de Cisjordanie qui n'avait pas de permis pour se rendre en Israël. Et sur une distance de 500 mètres environ, il a attaqué des civils israéliens à 3 reprises. 2 morts et plusieurs blessés selon le Magen David, qui est l'équivalent de la Croix-Rouge en Israël. Et puis tout de suite après, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu sur place et il a de nouveau encouragé les civils israéliens à porter une arme. Ce sont des déclarations très régulières pour ce ministre extrémiste qui considère que la majorité des Israéliens devraient porter des armes. Néanmoins, si on prend un petit peu de recul, depuis le 7 octobre, il n'y a pas eu énormément d'attentats qui ont visé des civils israéliens sur le territoire israélien, par rapport en tout cas à ce qu'on a connu au préalable et par rapport à l'intensité et à la violence de cette guerre qui secoue le Proche-Orient, puisque depuis le 7 octobre, ce sont 25 Israéliens qui ont été tués en Cisjordanie occupée et en Israël dans des attaques, tandis qu'avant le 7 octobre, pendant l'année 2023, c'était déjà une trentaine d'Israéliens qui avaient été tués dans des conditions similaires. Preuve qu'Israël fait tout pour contenir la violence des territoires palestiniens occupés et limiter le nombre d'attaques. Mais désormais, eh bien, ce que craignent les Israéliens est une menace bien supérieure. C'est celle des représailles de l'Iran et du Hezbollah après l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, puisque cela pourrait advenir dans les prochains jours. Certes, Israël se dit prêt à faire face à une pluie de roquettes, de missiles qui pourraient s'abattre sur le territoire, mais néanmoins, bien les civils gardent en tête cette menace et pour certains, il y a une inquiétude qui est de plus en plus forte. Et des violences ont éclaté samedi 3 août à Liverpool, Manchester, au Belfast, dont les manifestations qui se déroulent à travers le Royaume-Uni avec des mots d'ordre anti-immigration et anti-musulmans suite à l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes lundi 29 juillet. Et les rumeurs non étayées ayant dirigé le suspect comme un musulman. France 24. À Nottingham ce samedi, ces manifestants se font face, séparés de quelques mètres seulement par un mince cordon de police. D'un côté, des manifestants anti-immigration, de l'autre, des militants antiracistes rassemblés après l'attaque au couteau qui a coûté la vie lundi à 3 fillettes à Southport, près de Liverpool. Je pense que les gens en ont assez et que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le point culminant d'un deux poids deux mesures qui tourne mal. Il y a une tentative de récupération d'une situation très tragique. Il s'agit d'une sorte de protestation nationale venue de nulle part. Nottingham est une ville multiculturelle et nous voulons que tout le monde se sente à l'aise dans son propre centre-ville. Les forces de police dénoncent de graves niveaux de violence, alors que des heurts ont également éclaté à Liverpool, Leeds ou encore à Hull. La veille à Sunderland, des affrontements avaient eu lieu entre émeutiers et policiers devant une mosquée de la ville. Depuis lundi, c'est tout un climat de haine islamophobe qui se propage au Royaume-Uni. Des rumeurs infondées désignent le meurtrier présumé des 3 fillettes comme musulman et participent à alimenter les violences. Le gouvernement promet une réponse ferme.
La violence et le désordre n'ont pas leur place dans les rues de Grande-Bretagne. Nous avons clairement indiqué à la police qu'elle avait notre soutien total pour répondre le plus fermement possible aux auteurs de ces actes. Toute personne qui se livre à ce type de désordre doit savoir qu'elle en paiera le prix. Partout dans le pays, la sécurité a été renforcée aux abords des mosquées, alors que la police s'attend à de nouvelles émeutes ce dimanche. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Et après cette édition, vous allez suivre le film intitulé Horizon. Excellente soirée de notre compagnie. Au revoir à tous.